Wesh les humains, j'ai mis mon PayPal en description, envoyez-moi de l'argent là, je dois m'acheter une petite Porsche. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas dit de dire ça? J'ai marre, arrête! Tu veux gratter mes abonnés? Comme vous savez, j'ai le trophée des 100 000 abonnés. J'aurai bientôt celui des 1 million. Mais mon rêve, c'est pas d'avoir le trophée des 1 million d'abonnés. Mon rêve, c'est pas non plus d'avoir le trophée des 10 millions d'abonnés. Mon rêve, c'est pas non plus d'avoir le trophée des 50 millions d'abonnés. Mais vraiment, mon rêve, c'est d'avoir les 100 millions d'abonnés. Je vais peut-être jamais... Mais si, je suis un ouf, moi. J'ai dit, je vais peut-être jamais les avoir, mais je les aurai là dans la vidéo. D'ailleurs, je l'ai jamais mis dans une vidéo. Là, juste pour fêter cette vidéo, je vais le mettre ici. Durant toute la vidéo, le trophée il sera ici. Je l'ai pas trop montré en plus hein. Et on se retrouve tout de suite sur la map. Alors là c'est simple, c'est map Fortnite où tu peux devenir youtubeur. Et on va en profiter aujourd'hui pour avoir les 100 millions d'abonnés. Ah oui, d'ailleurs mettez le pouce bleu. Du coup là ils m'ont mis une flèche, je crois que c'est là où je vais acheter ma maison. Aïe aïe aïe, on a acheté une maison, il y a toujours pas les murs. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Genre là j'ai une usine de lama. Mais moi je veux pas créer une usine, moi je veux être youtubeur frère. Qu'est-ce qu'ils me racontent eux? Comment je gagne de l'argent? Ah ok, dès que le lama il vient là. Enfin j'ai vendu des lamas et j'ai de l'argent. Ok c'est bon j'ai capté. Mais je gagne pas d'argent, les lamas ils servent à quoi? Faire. Ah c'est là où je récupère l'argent, ok. D'accord, là on récupère l'argent ici à chaque fois. Et après on achète des trucs. À gauche j'ai l'argent que j'ai et j'ai le nombre d'abonnés. Pour l'instant j'ai 0 abonné. On travaille l'usine pour économiser de l'argent, on va s'acheter un petit setup. Je fais comment maintenant pour gagner des abonnés? Ok, là je fais des petits vlogs et ça. Au calme. Ça y est, on a assez fait de montage vidéo. Ça y est, stop! Comment on quitte? Ah ok. On peut acheter des murs. Parce que c'est vrai en vrai, de vrai. Quand je fais des vidéos, à chaque fois les viewers ils se plaignent. Ils disent wesh, pourquoi on entend le vent de la mer? Du coup, on va acheter des murs. Voilà. Quoi? J'ai même pas tous les murs en plus. Je me suis fait carotte là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Mais casse-toi, mec! Mais y'a des abonnés, rentre chez moi! Mais y'a des abonnés, ils m'attaquent! Dégagez! Eh, ça c'est les viewers ça. Ça c'est les viewers. Non, c'est un hater. Les viewers ils ne t'apprendront jamais. Dégage, dégage! Tu veux te battre? Tu veux te battre? Toi, tu veux me gâcher ma carrière toi? Pourquoi j'arrive pas à taper? Pourquoi j'arrive pas à le taper? Je vais lui rouler dessus. Toi, tu veux me gâcher ma carrière toi? Espèce de gros rageux. Attends, j'arrive. Viens, je t'écrase, viens, viens. Tu fais le mec avec ton épée. Tiens, maintenant je t'écrase. Tu touches pas à Rad. Rad, c'est lui. C'est le meilleur youtubeur du monde. En plus, il est fort à la bagarre. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Ok, ok, ça y est. J'ai capté. Vas-y, donne mon arme, donne mon arme. Voilà, aïe. Tu veux faire le mec maintenant? Tu veux faire le mec? Dégage. Non, 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 non. Tu non, il va fumer. Vush, vush. Non, j'ai trop le seum là. Ouais, c'est une map de youtubeur ou c'est une map où on se tue, frère? C'est un fou lui. Allez, j'ai combien d'abonnés? 3000 abonnés. J'ai bientôt les 10 000. On va améliorer notre ordinateur. Oh, maintenant je gagne 26 abonnés par seconde. Incroyable. Je vous dis, à la fin de cette journée, on aura les 100 millions d'abonnés. Pendant que les autres ils sont en train de se battre. En fait, c'est la concurrence, j'ai capté. C'est des autres youtubeurs en fait, ils sont venus. J'ai combien d'argent? 7000 d'argent. Ok. On va acheter une caméra pour faire des vlogs. Allez, c'est simple. Bien ou quoi les mecs, c'est Arad. Alors aujourd'hui, on va s'infiltrer dans la maison d'un youtubeur. Regardez, on s'est infiltré dans la maison d'un youtubeur. T'es ma vue, il m'a vu. Courez, 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 va appeler les keufs. Casse-toi, mais dégage, mais dégage. Ah, ok, ah, t'es un pote, ok, c'est un abonné lui, vas-y. On va faire des danses. Eh, j'espère que tu vas pas me la faire à l'envers, toi. Lui là, c'est un ennemi. Vas-y, vas-y, fume-le, fume-le, fume-le. Vas-y, éclate-le. Voilà. Toi t'es mon gars toi. Ça y est, j'ai capté en fait lui, c'est un abonné. J'ai acheté une petite voiture. Wesh. Elle est beau gosse ma voiture en vrai de vrai, j'aime bien hein. On dirait la voiture à Mr Bean. Tu peux acheter un téléphone aussi pour faire des stories sur Snap, tout ça. C'est ce qu'on va faire. Je peux ouvrir le garage et je peux le fermer. Ok, j'ai un garage maintenant. Ah ouais. On va acheter des ouvriers. Comme ça on va gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement. Et on pourrait réinvestir beaucoup plus rapidement aussi. Regardez combien je gagne maintenant. Ça monte super vite. Là je commence à être riche hein. Alors j'ai combien? J'ai 10 000. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il m'a dit d'acheter ça. J'ai pas l'argent encore, j'ai pas l'argent mon pote. Ok, lui il m'a dit d'acheter des murs. En fait, lui c'est un bon au début, j'ai cru que c'était un hater. Lui c'est un mec bien. Vous savez dans la vie de youtubeur, il y en a qui sont là que pour gratter vos abonnés, votre argent, vos trucs. Mais il y en a ils sont là vraiment c'est des bons, comme lui. T'as raison. Voilà, là j'ai mis un laser. Mais pourquoi il m'a dit d'acheter un laser? Fallait que j'achète le téléphone. Dégage de ma maison, dégage de ma maison. Ah, je peux pas l'attaquer? Ok, t'as de la chance. Putain, je devais acheter un téléphone. Regardez, il m'a dit d'acheter des lasers alors que je dois faire des snaps là. Putain, en plus c'est lent frère. Je vais faire des vlogs encore. À chaque fois que je suis énervé, je fais un vlog, ça me fait changer les idées. Yo les mecs, c'est Michou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Est-ce que j'imite bien Michou? Non. Sur 10, notez mon imitation les mecs. Voilà, on va acheter un téléphone. Voilà. Et on fait quoi avec le téléphone? Voilà, je fais des snaps. Tac, 18 abonnés. Bim, on va snapper les autres. Elle fait moi rentrer gros. Est-ce qu'il y a une sonnette pour rentrer?
Aïe, aïe. Putain, je te prends en snap. Eh, je vais balancer ton adresse à tous tes abonnés, gros. Eh, regardez les mecs, il habite juste ici, regardez, venez le streamac chez lui, les mecs. Il habite juste là. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi? Attends, ok. Ça sert à quoi, le shield? Mais je vous ai dit, ça sert à rien que je l'écoute, lui. Pourquoi il me donne du shield? Je fais quoi avec le shield? Je vous jure, les mecs, ils m'énervent. Je l'écoute depuis tout à l'heure, je regrette. Je vais récupérer tout mon argent. Dans quoi on va réinvestir? On peut améliorer le setup, on peut acheter une cuisine, on peut acheter un deuxième étage, on va pas manger. Moi, je vous le dis, c'est mort. On n'est pas là pour se goinfrer. Nous, on n'est pas l'autre youtubeur dégustation, là, frère. Wesh, les mecs, regardez ma nouvelle caisse. Vous kiffez ou pas? Beau gosse, hein. Tu vis, Arad, hein. Tu vis, hein. C'est quoi ça? On va l'acheter. Ah, c'est ça! Il y a un tableau, il y a écrit le nombre d'abonnés qu'on a. Ok. Mais c'est stylé, ça. Quoi? On a atteint les 100 000 abonnés, j'ai raté le live. Oh, putain. Eh, on dirait moi dans la vraie vie. Je vous jure que le live des 100 000 abonnés, j'étais en train de dormir, j'ai raté le live. Sur le jeu, j'ai raté les 100 000 abonnés. Eh, en fait, le jeu, je crois, il est vraiment réaliste. Allez, voilà, on va acheter la plaque des 100 000 abonnés. Ouais, ouais, wesh. C'est même pas le même, c'est pas le même, c'est même pas réaliste en fait. Maintenant, on va améliorer notre setup. Vous êtes prêts là à voir ce qu'on va acheter là, les mecs? Vous êtes pas prêts, je crois. Voilà, là il y a un setup, un vrai setup. Tout à l'heure, on m'a donné l'ordinateur à mon grand-père. Là, c'est un ordinateur en minimum normal. Ok, à 45 000, on peut encore améliorer l'ordinateur. On va l'améliorer, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Notre objectif maintenant, c'est d'avoir les 100 millions d'abonnés. Faut réinvestir tout l'argent dans les vidéos. C'est exactement ce que j'ai fait dans la vraie vie. J'ai bossé comme un fou, Uber Eats, dans le froid, sous la neige, sous la pluie. J'ai économisé pour tout réinvestir dans mon setup. Et regardez maintenant où je suis. Je fais des vidéos YouTube. Et là que je commence à gagner de l'argent grâce aux vidéos, je vais tout réinvestir encore pour tout exploser. Je vous ai dit, là il est réaliste, ce jeu. Ok, on peut améliorer le PC. Voilà, deux écrans. Je vous jure qu'il ressemble vraiment à mon setup là. J'ai deux écrans, j'ai un clavier, une souris, 300 000 abonnés. On a bientôt le million. J'ai fait quoi là? Oh, je peux faire des lives. Ouais. Est-ce qu'on peut allumer des pétards comme ce que j'ai fait dans mes lives? Il y a des trucs à jeter. Wow, tenez les abonnés. Wow, je vous jette des tomates. Franchement, je sais pas quoi faire dans les lives, j'arrête les lives. Ça y est, c'est fini. On a combien? 75 000. On va acheter le deuxième étage. Ça se trouve, il y a des trucs intéressants au deuxième étage. Acheter une chambre, je m'en fous. Acheter un bowling, je m'en fous. 500 000 abonnés, bientôt le million, les mecs. Le premier là, à droite là, il est à 8 millions d'abonnés. Non, il est trop loin. C'est un fou. Eh, venez, on va le tuer. Venez, on va le tuer. Il n'y a pas de concurrence. Arad, il n'a pas de concurrence. Il s'appelle comment? Ultraphone. Regardez ce que je vais faire. Je vais sonner chez lui. Je vais faire semblant que je suis un abonné. Je vais une photo et je vais le tuer. Ultraphone, il est là. Eh, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Allez, tue-le, tue-le. Ouvre-moi la porte. J'ai trop le seum, il m'a cramé, j'ai même pas réussi à le tuer. Mais comment il a fait pour gagner autant d'abonnés? Mais il est déjà 11 millions! J'ai 1 million d'abonnés! J'ai raté le live des 1 million d'abonnés. Là, c'est sûr que je vais le rater dans la vraie vie, le live des 1 million d'abonnés. C'est sûr et certain, là. Là, ça s'est passé dans le jeu, c'est sûr que ça va se passer dans la vraie vie. À chaque fois, je rate les lives. C'est ça le truc. On va récupérer le trophée. Incroyable, il est magnifique. Hein. Franchement, je l'attends avec impatience, celui-là. Quoi? Mais c'est quoi ce truc arc-en-ciel, là? C'est le setup à MrBeast, ça, frère. Allez, vas-y, on va se faire un petit kiff. Ceux qui m'ont sur Snap ou sur Instagram, ils savent que je mange trop. Ils savent que j'aime trop la nourriture. Oh, un frigo. Mon meilleur ami. On va faire un vlog pour représenter le frigo. Wesh les mecs, j'ai acheté un nouveau frigo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette. Je vais vous montrer comment on fait un tiramisu à la banane. Ça a l'air dégueulasse, un tiramisu à la banane. Ah, youtubeur parti. Oh, on peut inviter des abonnés. Des autres youtubeurs, je voulais dire. Ok, Starf. Ah non, ça coûte 200 000, c'est mort. Le rat, discret, prudent, intelligent. Mais en fait, j'ai trop d'argent là, je peux tout acheter. J'ai acheté un salon, j'achète une télé. Ok, j'achète des jeux vidéo, allez. Oh, une Play. J'ai une Xbox et une Play. Non, ça y est. Oh, la vie de roi que j'ai. Wesh, beau gosse. Franchement, beau gosse. Ah non, ça y est. Vous m'avez donné une voiture de fermier, ça y est, j'abandonne, frère. Ouais, je respectais moi. On va monter là-haut, on va voir ce qu'il nous donne. Acheter treadmill. C'est quoi treadmill? C'est quoi ça? Oh, on peut gagner encore plus d'argent, je crois. Oh là là, mais pourquoi vous m'avez pas dit? Mais wesh, on peut gagner encore plus d'argent. Arad, il aime trop l'argent. Ok, j'ai combien d'abonnés? 4 500 000. Faut pas qu'on rate le live des 10 millions, les mecs. Faut trouver un truc pour le live des 10 millions, en fait. Faut trouver une danse pour le live des 10 millions. C'est quoi ça? Oh, j'ai trouvé. Voilà, des pétards, c'est ce que je fais moi à chaque fois que je fais des lives. Les pétards, les mecs. Oh! J'ai un monteur vidéo là. Incroyable. Les mecs, j'ai un monteur vidéo. C'est un truc de fou. Ça y est, je vais monter trop vite. Il va me faire des vidéos de fou malade. Ça y est. En plus, c'est ça que je suis en train de faire dans la vraie vie là. Là, je suis en train d'investir. Là, j'ai un monteur vidéo. Samy, dis coucou à la caméra. Non. On va rajouter ça, voilà. Comme ça, on va gagner encore plus d'argent. Allez, on va faire le tour de la ville. Parce qu'en fait, on n'est jamais sorti dehors pour faire des vlogs, tout ça. Bah, on va aller voir dans la ville ce qu'on peut faire. Quoi? Buy Gamer House. Je peux acheter une maison de gamer. Je peux acheter un magasin de vlog.
dog, un magasin de caméras. On peut acheter un stade de foot. Et on peut acheter une usine. Vous savez très bien, Arad, il va acheter quoi, les mecs? Eh, on a besoin d'argent pour atteindre les 100 millions d'abonnés. Hein? J'ai 10 millions, j'ai raté le live des... Oh là là, j'ai raté le live des... Eh, je vous jure, les mecs, je fais pas exprès. Ça doit être ça. Ouais. Je vous jure que je voulais vraiment fêter les 10 millions en live là-bas, là. J'ai pas fait exprès. J'ai trop le seum. Dégage, dégage, toi. Toi, tu rentres, toi, t'es mort. Toi, je te préviens, toi. Dégage! Voilà, gros jaloux. Pourquoi je peux plus le tuer? Tu dégages! Voilà, merci garde du corps, merci beaucoup. Là, on peut acheter une chambre, on peut acheter un truc de bowling, un truc de cinéma. Mais c'est ça qui m'intéresse. Voilà, on va pousser. On va faire du sport, vas-y, pousse. C'est quoi ces bruits dégueulasses qu'il fait? Moi, je fais pas ces bruits, moi, dans la vraie vie, moi. Je vais vous dire un secret, mais ça reste entre nous, c'est bon? Vous voyez vos youtubeurs préférés là qui sont en train de faire des transformations? Michou, Mastu et tous ces gros youtubeurs là. Dites-vous que quand ils vont à la salle, ils vous le disent jamais, hein. Mais ils font ces bruits là. Ah, moi je balance, moi, ils font ces bruits là, moi. Voilà, rajoute la sécurité. Oh, il y a les caméras de surveillance. What? Dès qu'un mec qui va arriver, je vais le voir arriver à 2000 km. Allez, voilà. On achète ça. Finasdas. On achète tout maintenant. Et regardez le guet-apens que je vais faire. Là, dès qu'un abonné va rentrer chez moi, je vais l'enfermer, il pourra plus jamais ressortir. Ah, on peut rajouter un toit. Vas-y, on va rajouter un toit, on sait jamais quand il pleut. Allez, rentre. Voilà, rentre, rentre, rentre. Rentre, rentre. Voilà, t'es bloqué, bouffon, va, il peut plus sortir. Tu crois que c'est du respect, ça? Ah. Ça, il va plus jamais ressortir de chez moi. Je te jure, il va rester chez moi. J'ai préparé une fête. Allez, viens, je t'invite dans ma fête. Voilà, viens, viens, viens. Mais non, j'ai trop le seum. Je vous jure, j'ai trop le seum, j'ai cru qu'il allait rester bloqué avec moi. Et j'allais lui préparer une bonne fête en plus, wesh. Wesh, il y a des abonnés. Wesh, mais je viens de remarquer, on a dépassé Squeezie là. On a 24 000 abonnés, on a dépassé Squeezie, les mecs. Ça y est, je suis le plus gros youtubeur français. Incroyable. On va aller voir Squeezie là, on va lui envoyer un vocal pour le réconforter un peu. Wesh, Squeezie mon ref, je crois que t'as bien vu la triste nouvelle là qui vient de s'abattre sur Twitter. Là on est entêté, je viens de te dépasser en youtubeur. Je suis devenu le plus gros youtubeur français, entre guillemets. Mais c'est pas grave, t'inquiète, je te ferai toujours de la pub. Je parlerai de toi de temps en temps. T'inquiète, t'es pas finito frérot. T'es pas finito, t'es tout le temps là, t'es le deuxième plus gros youtubeur français. Ça va, c'est bon quand même, deuxième plus gros youtubeur français. Le plus important c'est participer quand même. Ça fait des années que t'es là. Tu peux me laisser au moins savourer un petit peu le fait d'être le plus gros youtubeur français quand même. J'ai le droit. Voilà, merci. Bref, si t'as besoin de quoi que ce soit, que je te fasse une petite pub ou si tu veux, je t'invite au grec. Ouais, si tu veux un petit grec là, je t'invite là, un de ces quatre et voilà quoi, hein, mon gars. Mais sinon, ouais, elle prend pas mal que je sois le plus gros youtubeur français maintenant. Je te jure, c'est bon. Y a pas mort d'homme. Du coup, merci beaucoup. Je te souhaite bonne continuation pour tout le reste et vas-y, ciao. Hein. Moi, je vais rejoindre Mister Beast maintenant. Vas-y, salut. Wesh. 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 Allez, on va faire un petit arsenal. Comme si jamais il y a des cambrioleurs, ils viennent chez moi. Je suis là, ils auront peur. Au moins, ils vont voir des armes. Ils vont dire, mais c'est qui ce psychopathe là? Eh, les monteurs vidéo là, faites plus vite là. Vous pressez là, je dois avoir les 100 millions d'abonnés. Comment ça, plus rapidement? En plus, il se fout de ma gueule. Regardez, il fait semblant, il prend sa souris, il met sa main sur la table. Tu crois que je t'ai pas cramé en fait? Tu fais pas ton travail? Plus vite, plus vite, j'ai dit. Vas-y, on va faire des petits roues là. Des petits roues en bécane. Boum boum, bam. Et vous, dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais atteindre quel palier? Est-ce que vous pensez genre que j'aurai le trophée des 1 million et que je vais m'arrêter là? Ou est-ce que j'aurai le trophée des 10 millions? Ou est-ce que j'aurai le trophée des 100 millions? Dites-moi vos pronostics à vous, qu'est-ce que je vais atteindre moi dans ma vie? Dites pas juste 100 millions pour me faire plaisir, parce que logiquement, moi, quelqu'un me dit j'aurai 100 millions d'abonnés, je vais me dire, mais vas-y toi, qu'est-ce que tu racontes gros? Moi, je sais très bien que quand je dis aux gens j'aurai les 100 millions, je sais qu'ils me croiront pas, c'est quasiment impossible. Pensez-vous que j'atteindrai quel palier? Ça dit quoi? Hey, il va pas me lâcher lui. Mais les gens ils s'incrustent chez moi comme si on était... Wesh, vous êtes où là? Vous croyez on est à Webedia ou quoi ici là? On est chez Arad frère. Dégagez d'ici. On n'est pas à Webedia là. Dégagez. Ah mais là attends, on va faire le live des 50 000 abonnés. Des 50 millions, mais vous êtes des fous ou quoi vous? Voilà, on fête les 50 millions. Allez, en direct. Allez, 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 50 millions. Enfin, enfin. Et hey, comment il s'ambiance de fou, moi, mon DJ. Vraiment, t'es le meilleur DJ du monde, frérot. Théma, comment il danse? Il danse mieux que moi. Ok, on a les 2 millions. On va acheter notre première usine, les humains. Est-ce que vous êtes prêts? On va investir 2 millions de dollars pour acheter notre première usine.
Waouh, waouh. Comment on rentre dedans? Wesh, attendez. J'ai payé 2 millions là, et genre, je suis même pas le bienvenu dans mon bâtiment. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Mais c'est mon bâtiment! Comment ça, je peux pas rentrer dedans? Je l'ai acheté, frère! Frère, je l'ai acheté, le bâtiment, il est à moi là! Laissez-moi rentrer! Putain, je me suis fait arnaquer 2 millions, frère, vas-y, j'ai trop de seum. Est-ce que l'usine, déjà, elle me rapporte de l'argent? Parce que si j'ai acheté un truc et que ça me rapporte même pas d'argent, ça sert à rien du tout. Hein. Combien ça me rapporte? Ok, ça me rapporte quand même, là, je gagne beaucoup plus. D'accord! Voilà! Travaillez les mecs, enfin les meufs, travaillez s'il vous plaît les humains. Ah, vous voulez que je vous raconte l'anecdote de pourquoi je dis à chaque fois les humains au début de vidéo? Non. En vrai, je vais attendre encore un petit peu, je vais attendre que ça vous saoule un peu. Comme ça, je vais vous expliquer pourquoi à chaque début de vidéo ou à chaque fois, je vous appelle les humains. Comme ça, vous allez comprendre. Mais je vais pas vous le raconter maintenant. Je vais laisser encore un petit peu de suspense et après, je vais vous dire pourquoi je vous appelle les humains. Bon, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter la maison de vlogueur. Waouh. Enfin, on va acheter tous les bâtiments. Je suis devenu saoudien, je vais tout acheter. On va acheter une maison de gamer. Voilà. Voilà. Oh! Est-ce qu'on peut la prendre? Bah ouais, j'achète des trucs, je peux pas les prendre. Ça sert à quoi d'acheter alors? On va avoir un dernier monteur qui va nous aider à atteindre ses 100 millions d'abonnés. J'aime bien ta coiffure là-haut. J'aime vraiment beaucoup ta coiffure. Tes lunettes de soleil. Non, elle a du flow la dernière. Franchement, on va pas lui retirer ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut acheter? Le stade de foot. Bim. Ah mais ça va, je peux rentrer dans au moins dans celui-là. Merci. Ils viennent quand les joueurs? J'en sais moi. Moi j'attends moi. J'ai payé 2 millions d'euros de dollars. Je veux voir des joueurs au moins. Ah mais j'ai oublié. Sur Warzone, FIFA, Fortnite, Sandwich Cashier, c'est mon pseudo. Comme ça, vous savez. Du coup, que je me suis dit, quand je devais créer un code créateur, je me suis dit, mais attends, je vais pas mettre Arad en code créateur. En plus, c'était déjà pris. J'ai mis Cashier, il est simple. K-A-C-H-I-R. Cashier, code créateur dans la boutique. Cashier. Eh ouais, code créateur Cashier. J'ai un code créateur, j'ai un petit trophée. Tranquille, j'ai mon petit setup maintenant. Non, beau gosse, franchement beau gosse. Qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter notre caisse. Je crois que c'est la dernière. Là, on a une assez belle voiture. Franchement, je valide. Et on va voir ce qu'on va avoir comme prochaine voiture. Wow! Beau gosse, franchement. Wesh! Allez, snap le bruit. Vous avez vu les abonnés, ma nouvelle caisse? On peut acheter d'autres caisses. Vas-y, on va acheter celle-là. Ouh, attends, je vais le faire en vlog. Regardez les abonnés de la nouvelle caisse. Wow! Incroyable, franchement incroyable. Aïe. Tiens, il est mort. Oh, le vieux naze. Je suis un gamin. Ok, on a bientôt les 100 millions d'abonnés. Ça y est, on est en train de rattraper le deuxième là. J'aurai réalisé mon rêve là bientôt. Regardez, en direct. Ça y est, on l'a eu. Les 100 millions d'abonnés. J'ai enfin réalisé mon rêve. Depuis toutes ces années, je l'attends, ce trophée. On va enfin pouvoir le récupérer. On va voir à quoi ressemble ce trophée des 100 millions d'abonnés. Oh, regardez comment il est magnifique. Regardez ce trophée là. Non, franchement, le jour où j'aurai ces deux trophées là, je les aurai peut-être jamais. Hein, mais je vais tout faire pour les avoir. Je vous dis la vérité. Allez, on va acheter l'hélicoptère. Allez, on se casse d'ici. Wow, on a percé. On va aller sur une autre île. On va envoyer un petit vocal à Mr Beast pour lui dire, parce que là ça se voit il est en train de s'inquiéter. Hello Mr Beast, how are you? Good? Non, en vrai je veux parler en français. T'as des milliards. Demande à tes traducteurs, ils vont traduire le vocal parce que moi j'ai la flemme de te parler en anglais, je te dis la vérité. Bref, je vois que là t'es en train de stresser et tout ça. Tu vois sur Twitter tout le monde en train de crier que là j'ai les 100 millions super rapidement, que je vais dépasser Mr Beast. Non, t'inquiète pas frérot. Moi mon rêve c'était juste les 100 millions d'abonnés. J'ai pas besoin d'être le plus gros youtubeur du monde. Je voulais juste avoir les 100 millions, je les ai eu. Touche pas dessus mec. Profite de ta vie, fais tes petites vidéos de ton côté. Franchement bon courage pour les 500 millions ou même les 200 millions, je sais que tu les atteindras. Bref, arrête d'avoir peur, arrête de commencer à stresser. T'es là, je sais pas, il t'arrive quoi, tu commences à avoir peur de moi. Mais non, t'inquiète. Je te laisse tranquille, vas-y, bonne soirée Mr Beast, ciao, bisous, fais un gros bisou à toute ta famille, dis leur que je leur passe un très beau, je sais plus parler, bref, happy birthday to you man. Voilà, bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, commentez comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire l'objectif que vous pensez que j'atteindrai. Voilà quoi, là j'ai les 100 000 abonnés, dans quelques mois j'aurai les 1 million d'abonnés, et j'espère qu'un jour j'aurai les 10 millions et les 100 millions, vas-y ciao les mecs.